Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo un peu spéciale que je vais essayer de faire une fois par mois. Bon, ici ça va être la première, donc elle va être petite. C'est pour ça que dans le titre j'ai marqué première mini revue de presse tricot crochet. Je suis là. Je vais essayer chaque mois, à la sortie des revues de tricot et de crochet. Bon, il y en a beaucoup, hein, donc je ne vais pas toutes les acheter. Mais je vais acheter bon, les principales, celles qui, à mon goût, méritent d'être, que j'en parle, voilà. Que je trouve qu'il y a des modèles qui sont bien dedans, et puis les revues qui coûtent pas une blinde non plus, ça sert à rien, pas parce que je ne veux pas aller payer une blinde, mais ça sert à rien d'acheter des revues qui coûtent 10 €, voilà, pour trouver par exemple des modèles gratuits aussi sur internet. Donc là, aujourd'hui, je vais commencer par deux revues. Voilà, c'est deux revues de la marque Idéal. Quand Fifi aura fini de me lécher. Donc, il y a hors série tricot et il y a une revue trimestrielle de crochet. Voilà. Quand Fifi voudra. Tu veux bien, Fifi? Non, tu veux pas. Tu veux pas. Oh. Tu veux pas. Allez, maman, elle peut montrer les livres. Bon. J'ai déjà vous montrer, mais là, vous allez les voir à l'envers. Mais après, je vous fais face bureau, vous les verrez mieux. Donc, ça, c'est le hors-série tricot. Et ça, c'est le crochet. Donc, comme je vous ai dit, là, bon, on commencera mieux au mois de janvier. Hein, ce sera une nouvelle année, voilà. Voilà, ils sont gros bisous, elle est contente. comme ça, ben, au mois de janvier, je pourrai mieux vous montrer d'autres revues. Elle a décidé que non, c'est non. Elle veut pas, elle veut pas. Elle veut que je m'occupe d'elle. Il faut s'occuper de Madame Fifi. De Madame Fifi. Madame Fifi, hier, elle avait des nœuds, là, vous savez. Bon, je la brosse régulièrement, mais là, ici en dessous, elle avait des nœuds, je sais pas pourquoi. Il y a un nœud pas moyen. Alors, on dit, quick, on a coupé. On a dû couper les nœuds. Ah oui. Bon, écoute, maman, je voudrais montrer les revues. Elle a eu peur. Je sais pas pourquoi. Maman, je voudrais montrer les revues. Je peux? On peut? Oui, ça y est, tu t'es montré, t'as fait la belle. Mmh. Allez, hop. Toup, 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 toup. donc, je vais vous montrer ces deux revues. Et donc, comme je vous disais, oui, à partir de janvier, je ferai ça plus régulièrement. Enfin, je ferai une fois par mois, bien sûr. Mais je verrai pour avoir un peu plus de revues pour que vous puissiez plus vous faire une idée. Ça vous... Non, mais elle a décidé. Que voulez-vous? C'est elle la reine. C'est la reine? Et comme ça, vous voyez les revues que vous pouvez acheter, celles qui ne vous intéresseront pas. Voilà. Bon, on est parti manger. On est tranquille. 2 minutes. Allez, je vous mets face bureau et je reparle face bureau, ce sera mieux. À tout de suite. Donc, nous voici. Alors, j'espère que le flash ne va pas gêner, sinon je l'enlève. Hop, hop, hop. Ça fait quoi si je l'enlève? Oh non, Fifi, pitié. Oui, bah ça va quand même.
Alors, donc voilà, celui-là, c'est le Idéal Tricot. Donc, c'est le hors série. Voilà, le hors série. Donc, moi, je l'ai trouvé aujourd'hui, hein, mais il est peut-être sorti depuis un petit moment. Il n'y a pas de date dessus, donc, mais c'est celui du moment. Voilà. Alors, là, il parle de mailles pour toute la famille. Effectivement, alors, dedans, vous allez trouver 30, une trentaine de modèles pour femmes, 8 modèles pour hommes et 18 modèles pour enfants. Voilà, donc vous voyez, il y a quand même pas mal de modèles dedans. En tout, il y a 56 modèles de tricot mélangés, donc femmes, hommes, enfants. Hop. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc là, bon, c'est la page de garde, hein. Vous voyez déjà les petits modèles d'avance que vous allez retrouver dedans. Alors, on commence par des modèles de femmes et un modèle homme. Donc, dans ce livre, vous allez pouvoir avoir des modèles avec plusieurs laines. Donc, de la laine Katia, de la laine Lana Grossa, de la laine Plassard, de la laine Bergère de France également. Voilà, ce sont les laines que vous allez retrouver dans dans cette revue. Par contre, bon, il n'est pas noté si c'est facile, pas facile, mais bon, on le voit déjà au niveau des modèles, hein. Bon, là, c'est pas tellement compliqué. Voilà, bon, là, celui homme, on voit que c'est expert parce qu'il va y avoir des torsades, etc. Alors, non, Fifi, s'il te plaît, bouge, bouge, bouge. Allez. Bouge, bouge, bouge. Alors, ici, on va voir. Alors, je vous dis les noms des laines. Katia, Lana Grossa, Katia et Katia. Ici, encore. Alors, deux modèles pour hommes, le pull, le bonnet. Un pull sans manche pour femme et un gilet sans manche pour femme. Alors, avec Lana Grossa. Plassard, Plassard et Katia. Ça, c'est les noms des laines, hein, que je vous donne. Ici, une petite robe pour femme, voilà, avec un joli empiècement jacquard. Un petit gilet mousse, donc spécial débutant, hein, super facile à faire et rapide. On va avoir un pull homme, un gilet homme, pardon, avec un petit col châle à faire. Là, un pull femme qui rappelle un peu ici la robe, voyez? Ça rappelle un peu la robe. Donc là, cela, la laine, ça va être alors Lana Grossa, Katia pour celui-ci. Lana Grossa pour l'homme et Lana Grossa pour la femme. J'ai passé une page? Non. Un joli pull pour homme. Je trouve joli et puis assez simple. Bon, il faut savoir faire le col, mais bon, je vois pas de grandes difficultés. Bébé. Voilà, un petit modèle pour bébé, un petit manteau tout mignon. Un pull et une écharpe pour femme. Donc ici, on va avoir de la laine Plassard, Katia. Après, on est en Plassard pour l'écharpe et Plassard pour le pull. Voilà, ici, modèle bébé, enfant avec son bonnet, une longue veste femme avec son petit chapeau. On a un petit chausson pour bébé également. Donc ici, on est en bergère de France. Alors, bergère de France ici, bergère de France là.
21 et 20, on est en Bergère de France pour le modèle ici, le chapeau et la veste. Là, on est en Katia pour les chaussons et le petit ensemble bébé. Ici, le mini poncho chauffe-épaule. On est en quoi? J'ai tout noté, mais il faut que je tourne ma page. Voilà, on a lana grossa. Je connais pas du tout cette laine. S'il y en a certaines d'entre vous qui connaissent, ben, n'hésitez pas à me dire. J'aime bien la couleur, par contre. Ici, enfant, bébé et la dame. Alors, on est en lana grossa pour la dame, pour la femme, le bonnet, le pull, lana grossa aussi. Le bébé, on est en katia. Et ici, un pull femme. Bergère de France, son bonnet est en Bergère de France. Il y a aussi le pompon qui sera donné avec que vous pouvez trouver sur Bergère de France. Et le pull de la petite fille est en Bergère de France également. Mais vous n'êtes pas obligé de refaire dans ces laines-là. Hein, c'est parce que, bon, je vous dis, moi, les modèles, ils donnent les modèles avec ces modèles de laine. Ici. Alors, du 32 au 34, voilà, tout l'ensemble ici, bébé. On voit petit bébé, là, avec son petit ensemble. Donc, c'est tout en lanastop. Alors là, je ne connais pas du tout cette laine, du lanastop. Là, c'est du lana grossa. Donc, je ne connais pas non plus. Et là, j'adore cette veste, cette couleur. Et là, c'est de la katia. Donc là, j'adore celle-là. Ici, la 38, la lana grossa. Le bébé est fait avec de la katia. Petite salopette boutonnée sur le devant. Vous avez ici, là, pour la petite fille, un petit pull qui est fait en katia. La maman a un pull en katia également. Ici, un modèle pour homme avec des torsades qui est fait en katia. Le petit pull en point mousse, donc tout simple, tout rapide à faire, est fait en plassard. Là, un jacquard pour homme qui est fait en katia. Bon, ça, c'est le genre de truc que je ne ferai jamais. Ici, l'ensemble, il y a le pantalon. Le pantalon est tricoté. Et il y a le pull avec la petite poche. Donc, c'est fait en katia, les deux. Et je vous dirais, bon, les tailles sont assez grandes. Hein. Je vais vous redire après pour les tailles. Ici, l'écharpe 47, c'est du lana grossa. Le petit bébé, donc son petit pull qu'on voit ici, c'est du katia. Là, la maman et la fille, vous voyez, bon, c'est un pull court. Donc, c'est pas pour moi, les pulls courts, j'aime pas. C'est du plassard, mais on peut le rallonger. Hein. Il suffit de refaire quelques lignes et puis on rallonge. Ici, c'est un gilet, donc il est en katia. Le petit gilet ici, pour la petite fille, est en katia également. La longue veste ceinturée sans manche est en lana grossa. Ici, pareil, lana grossa non suffit. Le bonnet et le... Hein, les fifi. Non, pas l'ordi. Elle est en train d'écrire sur l'ordi. Et le pull pour la petite fille est en lana grossa également. Et je crois qu'on a... Non, il y a encore une page. Voilà.
Alors ici, ils disent des modèles assez changés, donc c'est masculin, féminin. Bon, oui, on peut. Et donc c'est fait en lana grossa également. Donc vous trouvez à la suite, bien sûr, les explications. Donc pour les tailles, là, certains modèles vont de 38-40 au 50-52. D'autres vont du 40-42 au 52-54. Bon, Fifi, s'il te plaît, il y a un autre passage quand même. Elle m'a fait perdre le fil. Là, il y a un petit pull sans manche qui va du 36-38 au 42-44. Bon, et ce qui est bien, c'est que vous voyez, vous retrouvez les couleurs. Alors attendez, je vais peut-être. Hop, voilà, pour que vous voyez mieux. Chaque couleur désigne une taille. Hein. Voilà, bon, là, par exemple, 38-42. Et après, la taille d'après, c'est 44-48. Voilà, ça, c'est pour un gilet. La robe qu'on a vue tout à l'heure, c'est du 36-38 jusqu'au 48-50. Voilà, donc ça dépend des modèles. Mais bon, ça va quand même jusqu'à des grandes tailles. Hein. Voyez, tout est quand même bien expliqué. Même les patrons pour les. On ne dit pas les patrons, j'ai perdu le mot, mais enfin, vous m'avez compris. Vous avez les explications également pour les points, pour vous repérer sur le petit tableau, que je n'ai toujours pas retrouvé le nom, mais bon, ça va revenir. Ça revient, ça revient. Voilà. Vous avez aussi les explications, voyez, à l'intérieur, qui sont en couleur. Donc ça, c'est pas mal pour se repérer. Ici, pareil, un peu comme les patrons de couture, voyez. Vous avez des lignes en couleur pour savoir jusqu'où vous devez aller dans votre schéma. Voilà, ouais, c'est un schéma. Donc là, par contre, il parle en S, SM, LXL ou XXL, vous voyez. Bon, là, c'est le genre de truc que moi, je ne ferais pas, par exemple. C'est trop compliqué. Enfin, c'est peut-être pas compliqué, mais je n'ai pas envie de m'aventurer dans des choses comme ça. Voilà, partout, c'est pareil. Ici, là, vous voyez, on a bien les explications en couleur par rapport à la taille. Bon, j'aime bien ces revues-là, elles sont assez claires. Voilà. Donc ça, c'est pour le tricot. Là, vous retrouvez tous les anciennes revues. Donc, si vous voulez vous les retrouver, vous pouvez les commander. Donc voilà, oh, attendez. Hop, voilà. Donc là, c'est Idéal Tricot, le hors-série. Donc du moment, c'est le 15H, le numéro. Et maintenant, le crochet. Alors là, c'est un trimestriel, hein, c'est un numéro normal. Donc ce trimestriel, ben, tous les 3 mois, hein. Comme son nom l'indique. Oh, excusez-moi, j'ai un petit peu bâillé, c'est pas bien. Donc, Idéal Crochet Créatif, c'est le 7, numéro 7. Donc, celui-là est sorti en novembre. Donc, bon. Donc, il y en aura un nouveau en janvier, si je ne me trompe pas. Alors,
Je le remets bien, parce que, avec Fifi qui m'a tout bougé. Voilà. Donc, on a des jolies choses aussi dans cette revue. Facile, moins facile. Ça dépend des modèles. Voilà. Ici, un petit pull col roulé. Voilà. Alors, fait en pull Katia. Ici, c'est en laine. Alors, c'est pareil, je ne connais pas cette laine. C'est de la Sostren Green. Je connais la société, mais la laine, je la connais pas. Je ne sais pas ce qu'elle vaut. Donc là, c'est un grand carré. Vous pouvez mettre, vous pouvez vous en servir comme vous voulez, ça. Là, le mettre sur ses épaules, le mettre en plaid, pourquoi pas. Ici, une étole. Elle est faite en drop, laine drop. Là, en lana grossa. Donc, c'est un petit gilet. Ici, il y a le petit bandeau. En lana grossa. Non, le. Alors, oh oui, genre celle-là, je ne connais pas du tout, du tout. J'en ai jamais entendu. Alors, je l'ai noté, c'est la Wool Addict Long Warn. Alors, je ne sais pas d'où cette laine sort. J'en ai jamais entendu parler. Si vous en avez déjà entendu parler, ben, dites-le moi. Mais moi, non. Je ne sais pas ce que c'est. Ici, on a un petit sac à dos, style filet, qui est fait en, bah, dans la même laine. Voilà, donc je ne vais pas la répéter. Hein. Ici, un petit pull sans manche avec des styles granny en lana grossa. La jupe, il faut savoir la porter. Il faut être mince, comme là, comme elle. Ça ne va pas à tout le monde. C'est joli, mais ça ne va pas à tout le monde. Donc, ça, c'est fait en lana grossa également. Ici, le petit haut est fait en long warn. Voilà, encore une laine que je ne connais pas. Un petit pull ici en Katia. Un petit chauffe-épaule qui est fait en cheval blanc. La laine cheval blanc. Ça, j'en ai déjà entendu parler, mais j'en ai jamais eu dans les mains. Les petites corbeilles ici sont faites en Katia. Là, sur ce, moi j'appelle ça un plaid. Hein. Voilà, je sais pas comment ils appellent ça, mais ils ont pas mis de nom. Et fait en laine drop. La robe. Là, par contre, celle-ci, je la trouve jolie. Bon, un peu courte pour moi. De toute façon, je mets jamais de robe ni de jupe. Donc, mais. 17, c'est la Katia. Les petits champignons, tout mignon. C'est de la laine drop, avec un fond de laine que vous avez dans vos tiroirs. Vous pouvez vous amuser à faire les petits champignons. Ce pull, le 19, il est en laine drop et il précise qu'il est fait jusqu'à la XXXL. Donc, là, on a la très très grande taille pour celui-là. Et la robe, elle est jusqu'au XXL. Mais là, c'est le triple XL pour le pull ici. Ici, pareil, c'est. Bon, je sais pas si c'est une étole ou il ne précise pas. Mais bon, avec des granits.
Faite avec la laine drop. Je trouve jolie, hein. Une petite écharpe en langouarn. Voilà, la laine que je ne connais pas. Ici, les petites maniques. Alors que vous, comme ils disent, vous pouvez les mettre soit pour décorer votre cuisine ou alors vous pouvez vous en servir. Elles sont faites en drop, laine drop. Ici, la petite étole. C'est quel numéro celle-ci? C'est la 23. Elle est en fait en drop. Le châle, je trouve assez joli le châle. Il est fait en drop également. Les petites fleurs, c'est de la laine drop également. Donc si vous avez des petits fonds de laine, voilà. Vous pouvez vous amuser à faire des petites fleurs. Cette jolie veste, j'aime beaucoup celle-ci. Elle me tape à l'œil. Un jour, peut-être. Alors, celle-là, elle peut être faite aussi jusqu'au triple XL. Elle est faite en laine drop. Et pour terminer, avec cette jolie petite jeune fille, tout en laine Ricot. Voilà. J'ai déjà entendu parler aussi de la laine Ricot, mais je n'en ai jamais eu. Donc, son bonnet, son petit gilet et son écharpe avec le point écaille au crochet, bien sûr. Donc, tout joli. Voilà. Donc, dans ce livre, après, on a. Bon, là, c'est la page d'abonnement. Ici, par contre, on a un peu de lecture dans cette revue. Donc là, on va vous parler des rendez-vous bien-être, là où il y a des salons, tout ça, voilà. Les livres à lire, voilà. Ici, il y a un article sur les poinsettias, la fleur de Noël, hein, la plante de Noël. Là, on vous parle des restos. Un article sur les restos. Ici, un peu de déco. Donc là, c'est une revue où on peut bouquiner un petit peu en même temps. Là, on vous parle des films qui sont sortis au cinéma. Ici, un article assez intéressant pour faire ses conserves de légumes. Là, je ne l'ai pas encore lu en entier, mais il est vraiment intéressant. Bon, un petit peu la mode, hein, voilà. Là, c'est sur les tendances. Donc, j'ai pas lu ça. Hein. Là, on parle d'une tasse du thé, là, d'un voyage en Afrique. Là, il y a des réveils. Voilà, bon, des petites choses qui coûte certainement pas 2 euros, mais bon. Ici, un petit voyage à l'île Maurice, pourquoi pas, hein? Comme on n'ira pas, on le voit en image. Voilà, donc encore une page, une double page sur ce thème, et on arrive enfin aux explications. Alors. Ici, alors là, le premier modèle, le pull, donc c'était celui-ci. Je vous montre, je vous remontre en vitesse. Voilà, celui-ci. Il ne donne que la taille 38-40. Donc là, c'est dommage. Donc, il n'est fait que pour les petites, les petites minces. Donc là, c'est pour les couvertures bébé, la couverture. Donc vous avez le diagramme. Voilà. Diagramme, voilà, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Ouais. Ici, le gilet, par exemple, 38-40 jusqu'au 50-52. Bon, là, c'est bien. Vous avez les petits diagrammes, là. Et le plan du gilet.
Donc là, le gilet se ferme une fois, vous voyez. Pareil pour le débardeur. Donc vous avez le diagramme. Hein. Bah, au crochet, de toute façon, pardon, vaut mieux quand même avoir le diagramme pour bien suivre les points. Là, le gilet de numéro 11, il est qu'en S et en M. Là, la jupe, vous voyez, c'est ce que je disais, hein, elle est faite pour les minces, hein, parce qu'elle est faite en 36-38 et 40-42. Donc, voilà. Nous, les rondes, nous ne pouvons pas mettre cette jupe. Voilà, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a quand même beaucoup de modèles qui sont pour des petites tailles. Là, le gilet 36-44. Bon, là, c'est la corbeille, la grande corbeille, la couverture. La robe qu'on a vue tout à l'heure. Alors, elle va du 38-40 jusqu'au 50-52. Donc là, ça va. On est OK. Le pull qu'elle disait tout à l'heure, ça va du SM jusqu'au XXL. XXXL, oui. 3X. Là, c'est... encore une couverture, donc vous avez le diagramme pour suivre les points. Ça, c'est pour les maniques, l'écharpe, donc là, tout va bien. Encore une couverture, le châle, donc vous avez tous les diagrammes pour suivre le châle. Et la veste, alors, la veste, elle va jusqu'au XXL, donc ça va aussi. Le bonnet jusqu'à 53 cm et la veste. Là, ah oui, là c'est une veste enfant. Ah ben, c'est le bonnet enfant. Donc voilà, oui, il y a des jolis modèles. Mais bon, il y a beaucoup d'accessoires, que ce soit accessoires maison ou accessoires pour écharpe, châle, bonnet, voilà, des choses comme ça. Mais en vêtements, il n'y a pas beaucoup en grande taille. Voilà. Je crois que j'ai vu 3 ou 4 modèles qui proposaient vraiment la grande taille. Donc, si vraiment vous êtes comme moi et que vous... Ah, les pimpons. Si vous êtes comme moi et que vous mettez ben, du 50-52 ou plus, ou même 46-48, il n'y a pas grand-chose dedans. Hein. Voilà, c'est bien dommage, mais bon. Ce gilet-là, je vous dis, lui, il est beau. Et bon, heureusement, lui, il fait en taille, en grande taille. Donc ça, c'est bien. Bon, donc voilà. Sinon, il est bien. Bon, il y a un peu de lecture aussi avec des articles. Ça passe le temps si on n'a rien à lire. Donc voilà, je vous remontre les deux couvertures des livres. Donc c'était ma petite revue de presse, ma première. Bon, elle n'était pas très longue. Hein. De toute façon, quand je ferai une autre revue de presse et que s'il y a beaucoup plus de livres, bon, j'irai peut-être un peu plus vite pour vous les montrer parce que bon, sinon on va y passer des heures. On verra bien comment ça se passera. Mais là, bon, comme il n'y en avait que deux, voilà, j'ai pris un peu mon temps et puis comme c'était la première, voilà. Donc, bah, dites-moi si ce genre de vidéo peut vous plaire, que je vous montre les revues que l'on trouve au kiosque. Et puis, à partir du mois de janvier, donc, je ferai ça plus régulièrement en vous montrant bah, les revues donc tricot et crochet. Broderie, je ne vais pas en montrer parce que broderie, il y en a, c'est pareil, il y en a, mais là, elles sont très chères, donc c'est pas la peine. Je ne vais me cantonner qu'au tricot et au crochet pour l'instant. Et puis voilà. Allez, je vais vous laisser aujourd'hui. J'attends votre avis dans les commentaires et j'attends vos petits pouces bleus pour bien faire connaître la chaîne.
Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Il y a ici en bas ou en dessous de la vidéo, il y a un petit carré qui est marqué s'abonner. Et en même temps, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche. Et à côté, vous, la cloche, vous cliquez sur toutes. Comme ça, vous aurez toutes les notifications de la chaîne pour avoir toutes mes vidéos. Voilà. Allez. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.